dama dal di sangem joy bama demé gore man andak samay xarita dem ci bi bo jigen ñu mag ñi bi bo gor ñu ndaw ñi bi bo jigen ñu ndaw ñi ci benen bo ñu dal di fay xal yon yon wo xamni da ngay dem yon wo xamni dangi dem sa xel du dem ludul ci delu se loloy natula u burbi mi borom dogaye loloy natula u burbi borom kun fa yakko Nous sommes réunis aujourd'hui à Gorée, à Dakar, après des mois de travaux en connexion, mais aussi des jours et des jours de préparation. Nous sommes réunis ici à Gorée pendant 2 jours pour nous mieux nous connaître d'abord. On s'est réunis cette fois-ci pas parce que c'est une organisation qui organise et qui nous réunit pour qu'on réfléchisse sur un sujet, comme ça a toujours été le cas. On ne s'est pas réunis parce que c'est la volonté de quelqu'un qui veut nous mettre à réfléchir sur des sujets prédéfinis. Nous nous sommes réunis pour la première fois en tant que mouvement citoyen, pour physiquement, parce que de toute façon on est resté connecté tout le temps. On s'est réunis physiquement pour d'abord mutualiser, ensuite apprendre de nous, et surtout pour envisager ensemble notre destin commun. Juste pour vous dire un peu par rapport à nous, ce qu'on, pourquoi on est là et ce qu'on nous a demandé, je pense aussi que les histoires qu'on a partagées hier sont un peu ce qui a emmené à notre parcours. On ne se définirait pas dans le standard classique comme nécessairement activiste, mais on le sent aussi comme activiste. Dans un peu l'élément qui était pour moi déclencheur hier, ça a été de recherche depuis une vingtaine d'années de comment le changement se fait. Donc d'essayer d'accompagner ceux qui sont dans une dynamique de changement à avoir les outils qu'il faut, parce que ça a été vraiment un moment de se dire c'est possible d'y arriver. Et autant on peut avoir de la passion, autant on peut avoir de l'énergie. C'est ça la base de la chose. Je parle du parcours de soit l'institution, soit le groupe. Ça n'a pas besoin d'être une institution formelle. On est d'accord. Ça peut être un groupe de militants, ça peut être un engagement qui a emmené quelque part au travail avec d'autres pour y arriver. Bon, aujourd'hui, particulièrement, mon groupe a travaillé sur la mise en place d'un comité qui va organiser l'université des engagements. Mon groupe, il a travaillé sur le mécanisme de financement des initiatives citoyennes. On a constaté que les mouvements sociaux que nous sommes, on a du mal à trouver les moyens pour faire notre travail. C'est à cause de cette pression de vouloir structurer que les bailleurs souhaitent que nous faisons. C'est également par rapport au fait que nous n'avons pas le temps d'aller chercher les financements, tellement le travail est grand. Notre groupe a travaillé spécifiquement sur les actions concrètes qu'on pouvait mettre en place face à l'actualité. Et l'actualité urgente. Et qu'on arrive à voir qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux mouvements sociaux africains, aux mouvements citoyens africains, et quelles sont des potentielles pistes qu'on devrait explorer pour essayer de trouver des solutions à ça.
Sur ça, il y a le premier point qui est autour de la diversité, la croissance et la diversité du mouvement. Donc, on est en train de voir grandir, comment on grandit, qui on prend à l'intérieur, est-ce qu'on a une couverture, quelle est la couverture nationale ou régionale qu'on veut, et quels sont les différents groupes qui en font partie. Je pense que plusieurs personnes ont mentionné ça. Ça ramène aussi dans le renouvellement des membres, la taille des membres, la question de genre, la question qui a été posée par Hugues au niveau de quel est le profil des gens. Nous sommes un mouvement citoyen qui nous engageons, en gros, à faire retourner le citoyen comme centre de la vie de la nation à Madagascar. Il fut un temps où c'était le cas, mais on voit de plus en plus une certaine démission du citoyen par rapport à la chose publique, mais également par rapport à son avenir. Et notre combat est de pousser la population à pouvoir réaliser quel est le pouvoir qu'ils ont sur ses dirigeants et à changer cette relation de pouvoir entre le citoyen d'une part et ses dirigeants qui ne comprennent pas forcément qu'ils doivent travailler pour le compte des citoyens. Quand on essaie un peu de créer l'équilibre dans la vie au Tchad, c'est demander à ce que les droits des citoyens soient respectés et aussi demander à ce qui est non seulement une cohabitation entre le peuple, mais que le peuple et le gouvernement cherchent à construire le pays ensemble. Ce que je crois aujourd'hui, que si certains citoyens n'usent pas de leurs droits, c'est peut-être aussi parce que finalement, ils n'ont pas été habitués à le faire. C'est un engagement tout court, mais avec un objectif, c'est ça qu'on peut appeler un sens, avec un objectif, c'est de mettre le jeune au cœur de son propre développement. De mettre le jeune au cœur du développement de l'Afrique. C'est un engagement politique, c'est un engagement citoyen, c'est un engagement démocratique, un engagement responsable. C'est une chance que nous avons, nous, d'avoir l'opportunité d'avoir un cadre d'expression qui est Yanamar, d'avoir des plateformes africaines où on peut se regrouper, où on peut agir pour notre continent, où on peut agir pour le Sénégal. C'est pas l'inverse. Et dans le fond, c'est cet engagement-là qui nous fait. Donc je tiens aussi à exprimer la solidarité, pas simplement de Yanamar à parler effectivement du mouvement, aussi du Burkina Faso, du Ballet Citoyen et tout. On suit beaucoup l'actualité au Congo. Bye Bye Kabila, c'est une campagne que nous avons lancée conjointement avec d'autres mouvements citoyens, dont le mouvement Filimbi. Et Bye Bye Kabila, parce que Kabila arrive au terme de son deuxième mandat, qui est le dernier mandat et que constitutionnellement, il doit quitter le pouvoir. Entre janvier 2015 et aujourd'hui, il y a une répression énorme qui s'est abattue sur les citoyens, principalement sur les jeunes, principalement sur les jeunes des mouvements citoyens, dont certains ont fait la prison, ont été torturés, ont été enlevés. Particulièrement lorsque vous êtes arrêté à plus de 2000 km de chez vous, comme c'était le cas pour moi, et que vous n'avez pas, pendant une bonne partie de cette incarcération, de nouvelles, ni de la famille, ni des amis, ni de ce qui se passe à l'extérieur, donc vous êtes en isolement complet. Ça a été des moments très difficiles que je passais au cachot et ensuite au sein de la prison centrale de Kinshasa. Simplement parce que la population, la majorité de la population, veut que cette constitution soit respectée et que le président Kabila s'en aille. Kabila, Oyebela, Manda ici, Eloroni ici, la terre. Bamandimi korima anak samay kharito de chakaru pyam gawon dama dal di sangam joy gornu mangi bibor digen nu mangi bibor gornu ndaw ji bibor ken nu naw ni ci benen bor ñu dal di fay kalon yon wo xamni dangay dem sa kel du dem ci lodul delu ci Comment il s'appelle la voiture? Dis-moi pourquoi le leader s'est retrouvé du jour au lendemain en Belgique.
servir, si vous appelez ça, programme d'invitation des personnalités d'avenir. C'est encore une tromperie. La manière de travailler ensemble dépend aussi de vous, votre solidité en tant que mouvement, votre force en tant que mouvement, votre capacité de mobilisation en tant que mouvement, votre capacité de gérer les différentes relations en tant que mouvement. Donc si on peut faire ça en une première phase et après revenir sur les questions un peu de thématique, sur quoi est-ce qu'on veut travailler ensemble? Cette plateforme, justement, est la possibilité de créer des solutions conjointes qui intègrent nos différences et qui permettent de mettre ensemble tous ces petits groupes, justement, pour avoir la bonne dynamique africaine. Nos problématiques, finalement, sont exactement les mêmes. Donc, à une problématique générale, moi, je pense qu'une solution globale est la mieux adaptée. Les problèmes d'Afrique sont trop liés. Le problème de l'Afrique est dur, justement, parce que c'est un problème qui est commun et qui tire parfois sa source, mais des autres pays. C'est-à-dire que c'est difficile de régler un problème au Gabon et ne pas le régler au Cameroun, parce que le Gabon a pratiquement les mêmes problèmes que le Cameroun. Jusque-là, depuis les indépendances, les leaders et les décideurs, souvent, ils envisagent l'avenir selon les micro-nationalités, ces frontières tracées par le colon. Aujourd'hui, il s'agit d'envisager un avenir, d'envisager un destin commun à l'Afrique, et non pas en fonction des petites choses. Je rappelle ces petites choses-là, c'est ces petits pays tracés par le colon. Parce que nous avons une conscience africaine d'abord, avant d'agir localement au plan sénégalais, au plan camerounais, etc., pour construire ce destin africain-là. C'est ça, en ce sens, que ces genres de rencontres sont extrêmement importantes. Une rencontre comme celle-là est un pont, est une sorte de pont, est une sorte d'échange, une sorte de carrefour d'idées, qui permet de mettre en place une vraie plateforme de résistance commune. En tout cas, je l'espère, et je crois que c'est possible, que c'est faisable. Au regard des expériences des uns et des autres, nous voyons que chacun a quand même un petit bagage expérimental assez intéressant qui prouve que lorsqu'on s'organise, on peut y arriver. L'initiative vient directement des mouvements citoyens africains, sous le, on va dire, le leadership de ce qu'on peut appeler l'aîné des mouvements citoyens, et qui est le mouvement Yanama, qui ont décidé cette fois-ci, d'eux-mêmes, de se rassembler, de s'unir, pour un, partager d'abord les expériences, partager nos forces et faiblesses, donc faire une analyse des forces, faiblesses, opportunités et autres, et puis ensuite voir dans quelle mesure tracer ensemble un cap. De montrer un peu quels sont les hauts et les bas, et aux côtés des autres, ça nous permet de regarder un peu vers l'avenir, parce qu'aujourd'hui la jeunesse, c'est l'Afrique est à majorité constituée des jeunes, et il est très important que les jeunes sachent ce qu'ils veulent et surtout que l'on sache qu'on ne peut pas faire notre bonheur contre notre gré. Voilà. S'organiser, c'est gagner, et ça l'est d'autant plus lorsque plusieurs mouvements arrivent à se tendre la main et à avoir vers le même, à viser le même objectif. Il est très important que l'on prenne en compte les aspirations de la jeunesse si vraiment on pense que l'Afrique a besoin de se développer. Il ne faut pas confiner des gens, décourager cette jeunesse qui aspire vraiment à avoir une Afrique dans le concert du monde. C'est bon ? C'est bon ? Jean-Louis, ta main, elle est déjà comme ça. Oh. Ah, ah.